comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Elle ne retourne point à moi sans effet. Elle ne retourne point à moi sans effet. Ésaïe chapitre 55, commencé dans verset 10 pour arriver dans verset 11, amis auditeurs de la prière du matin. Recevez la grâce et la paix de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, qui fait nous grâce ce matin, hein, qui bénit nous et qui accorde nous ce grand privilège, encore une fois. Et c'est un privilège, oui, chaque jour nous lever, à chaque fois nous respirer, nous devons bailler bon Dieu louange. Li. Chaque matin nous répéter ça, pour ne pas jamais oublier li, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est premier devoir, avant de sortir, avant de vous expliquer bon Dieu problème. Avant ou la prière, bon Dieu, pour quoi que ce soit, dis-lui merci. Pendant qu'on viré sous cabane, pendant que, ouais, souffle de vie en haut toujours, ouais, c'est où qu'il a, c'est pour dire merci, parce qu'on a respiré toujours. Ésaïe, chapitre 55, commencé dans verset 10, pour arriver jusqu'à verset 11, et avec parole, ça y est, que nous saluons au matin, un peu partout à travers le monde, quel que soit côtoyé, ou même qui branchait matin, qui montait sous ligne de prière. Invitez l'autre ami pour rejoindre nous sous ligne de prière ça. Chaque matin à 5h du matin et abonnez à la page là pour que vous soyez capable de recevoir notification prière du matin. Et pour abonner, ou pas tromper de page parce que coup prière a monté, vous avez une notification qui faut connaître qu'il y a une prière. Donc il y a une nouvelle prière ou une nouvelle vidéo qui avait été publié, donc on va recevoir lui. Donc ça empêchait que vous trompez ou de page, parce que plusieurs monde fait nous connaître que vous trompez ou de page des fois, parce que il y a un peu de monde qui utilisait non juste pour que vous capable gagner un peu de monde qui suivent vos pages. Donc nous dit bon Dieu merci matin pour chaque monde qui déjà monté sous ligne de prière et chaque monde qui a rejoint nous de temps en temps matin. Nous dit Seigneur un grand merci parce qu'elle permet que nous arrivions dans fin mois, jeudi, c'est 29 juillet 2021. C'est pour nous, Seigneur, béni. Chaque jour, nous sommes en plus dans la vie, nous. Chaque fois, nous sommes que nous dormons, nous lever, c'est une victoire, Seigneur, ben nous. La longévité, hein, que le Seigneur, ben nous, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Les nouvelles années ont changé. Surtout même, jeudi, c'est anniversaire, jeudi, c'est jour où tu es fête. Jodi a c'est un jour qui marque un événement dans la vie. Dis bon Dieu merci. Pas quitter le passé comme si de rien n'était. Hein? Pas quitter le passé. Non. Comme ça. Mais dis bon Dieu merci. Merci pour l'événement qui est arrivé dans le jour ça. Qui va te poto aller. Dis bon Dieu merci parce que jodi a, il permet que vous capable un nouveau départ hein, dans l'événement ça. Dis-lui merci. Chaque jour, yo, nous devons dire bon Dieu merci, oui, mais des jours, c'est jour spécial, yoye. Et nous devons dire même gens avec serviteur bon Dieu,
C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Ah oui, un jour c'est bon Dieu qui fait, lui. Un jour c'est bon Dieu qui fait. Ces jours, bon Dieu, t'es séché de l'onazio. Ces jours, Seigneur, t'es pris humiliation pour. Ces jours, Seigneur, t'es écrasé ses cœurs pour. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous, alléluia, un sujet d'allégresse et de joie. Si jodi a, c'est yon jour spécial qui ramène yon événement, qui ramène yon bagay quelconque dans la vie ou. Bah connait qui ça, est-ce que c'est anniversaire l'a été fête ou même est-ce que c'est anniversaire pas ou que lié jour t'es fête là jeudi a ben c'est pour dire c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous, hein, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Psaume 118. Gain jour c'est comme ça pour commencer là. Parce que jour ça, son jour, bon Dieu, t'es levé des filles pour. Bon Dieu, t'es montré au grandeur li. Bon Dieu, t'es montré au que le vivant. Mais nous-mêmes, l'homme, des fois, mémoire nous coûte, nous toujours aimer oublier. Faut nous pas faire ça avec bon Dieu. Non. Faut nous pas faire ça avec bon Dieu. Gain jour, c'est jour spécial, lui. C'est jour l'Éternel t'écraser ses cœurs pour. C'est jour, Seigneur, t'es levé campé pour ou. Ou pas qu'arrêter comme ça pour pas dire rien. Non. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Un jour, c'est comme ça qu'on commence. Et si je dis, c'est un jour spécial pour ou, texte ça, c'est pour ou lié. Dans Psaume 118, commencez depuis dans verset 23 pour arriver jusqu'à verset 25. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Hein? Qui s'ajoute en rappeler dans la vie? Qui ça mois de juillet à les rappeler dans la vie? Est-ce que mois de juillet c'est moi bon Dieu? T'es campé pour où? Est-ce que c'est moi bon Dieu t'es bon la vie? Est-ce que c'est moi bon Dieu t'es levé? Est-ce que c'est moi l'Éternel t'es gazé ses cœurs pour? L'Éternel te prend honte là pour ou, il te fait cadeau petit. Qui événement dans moi ça qui te marqué ou doué gon bannière de reconnaissance ou levé devant Seigneur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Oh, si ou pas gagne l'autre monde qui fait avec ou, ou capable dire ou même personnellement. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Un sujet d'allégresse et de joie. Ah oui, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Et de joie. Psaume 118, commencé depuis 9, 23. C'est de l'Éternel que cela est venu. Par contre, qui ça, non? Qui sortit beaucoup de bon Dieu. Mais bon Dieu qui te parole, ça y est, pour même qu'à célébrer le matin. Pour même qu'ap dresser yon l'autel de reconnaissance devant li matin, li voye parole sa yo pou ou. Et yo doit graver, est-ce que gon tableau, est-ce que gon bagay wap grave parole sa yo? Parce que jodi a, ou bien moi sa, m'pa konnen ki moi wap koute, m'pa konnen ki jou wap koute priye sa matin. Mais songe, ou doit graver parole sa yo. Parce que ces jours, Seigneur a, oh li te poto secou. Ces jours, Seigneur, t'es levé honte là pour. Ces jours, bon Dieu, t'es montré au grandeur li. Ces jours, regardez, pas coûter monde qu'a faut comprendre que gen bagay c'est tout naturellement. Non. Non, gen bagay c'est miracle de l'Éternel que yo yé. Nan race koto sorti, nan famille koto sorti, ça que t'a metto nan place ça. David, li pa jam minimiser ça bon Dieu fait, non. David pa jam minimiser ça bon Dieu fait. David était toujours dans réflexion pour parler avec bon Dieu. Vous songez lorsque David sous balcon royal, il a regardé dans qui maison l'habitait, il a regardé comment la vive. Il songeait dans rage que il était, humiliation il te comprend. Jean famille te voyait jeter. Jean famille pas de bon projet pour lui, pas de bon plan pour lui. Pour papa lui. Et puis dans 2 Samuel chapitre 7 verset 18, David pral dit. Parce que David présenté devant Seigneur. Et puis il a dit Seigneur parole ça.
La parole de Dieu fait nous connaître dans verset 18 là. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit: Qui suis-je, Seigneur Éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis? Pays qu'on arrive à pas comprendre, c'est le fruit du hasard. Privilège ou abjoui, je dis à la pas comprendre que c'est le fruit du hasard. Pas comprendre que c'est coïncidence. Non, c'est le plan de Dieu. L'éternel plan, bon Dieu, et ça fait que ou doit dresser bannière de reconnaissance ça. Même Jacques David qui te dit: Qui suis-je, Seigneur éternel? Qui est-ce moyen pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis? Là où je suis? Qui côté, bon Dieu, faut arriver matin? Dans le pays, quand on arrive, qui est-ce qui mène là? Qui monde qui fait route avec ou là? Et des fois, privilège, petit pays n'a pas gagné ou gagné. Progrès, petit pays n'a pas fait ou fait. Qui laisse souillé? Il a songé quand on sorti. Texte ça, yo doué, croqué dans la maison la caille. Parce que témoignage ou pas différent de David. 2 Samuel, chapitre 7, verset 18. Songé hier, nous te promettons, nous te disons que nous avons venu avec quelques textes pour vous. Dans des circonstances où vous devez citer devant bon Dieu. Même si vous n'avez pas dit en pile parole, mon cité devant le Seigneur. Et au même jour, c'est un jour spécial pour texte où vous devez gagner la caille. Vous devez gagner la caille dans la chambre parce que l'or gardé, l'or levé, l'or songé, vous devez gagner sous profil. C'est témoignage. Ou pas qu'à honte li. C'est témoignage ou pas qu'à honte li. 2 Samuel chapitre 7 verset 18. Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis? C'est comme ça David t'est présenté devant le Seigneur. Mais c'est témoignage aussi. 2 Samuel chapitre 7 verset 18. Li doué sous profil ou li doué sous stature. Parce que je dis, hein, où est grandeur, bon Dieu, dans la vie, où, Seigneur a séché de l'eau dans les yeux. Psaume 118, commencé depuis dans verset 23 pour arriver dans verset 25. Où dit, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est pour prendre notre matin, c'est pour noter matin. Ou bien on va réécouter encore. Tableau absorti, ça absorti, soit mettre sous profil, ou va mettre chacun de nous. Mon texte, matin, on va le joindre qui identifie situation, événement qui n'a vu. Et peut-être nous n'avons pas de tout. Mais matin, ça n'a pas de tout, c'est pour noter. Donc, dans Psaume 118, commencé depuis verset 23, la parole de Dieu dit: C'est de l'Éternel que cela est venu. Par contre, qui s'est venu beaucoup de bon Dieu, qui sorti beaucoup de bon Dieu. Par contre, qui s'est lié, mais on même connaît. Vous connaît, oui? Parce que il y a des choses qui étaient impossibles pour vous. Il y a des choses qui sont dormies. Même dans dormies. Vous ne pouvez pas voir. Mais bon Dieu fait. Tout le monde a constaté ça. Donc, vous devez dire, c'est de l'Éternel que cela est venu. Ce n'est pas diable dans la famille, ce n'est pas loi dans la famille. Non, c'est pas bonne éducation. Non. Mais c'est de l'Éternel que cela est venu. Bah, qu'on est qui miracle lié, qui prodige que lié. Mais on doit gagner un texte ça, oui, matin pour Psaume 118, verset 23, 24, 25. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Peut-être aujourd'hui, c'est un jour qui ramène anniversaire, petit. Et au songe dans quelle circonstance, où tu as un petit ça, c'est l'Éternel qui t'a campé pour. Vous devez dire bon Dieu merci matin, avec parole, ça y est. Oh, ou faire reconnaissance ou monter vers le Seigneur. 2 Samuel, chapitre 7, verset 18 aussi. C'est où qu'on est, bon Dieu sorti avec vous. Donc, matin, Jacques nous te promet tout ça, dans chaque circonstance,
que parole ou capable citer devant bon Dieu. Parce que parole là dans Isaïe chapitre 55 verset 11, Seigneur fait nous connaît il pas retourner à lui-même sans effet. Donc il parole la prononcer et le Seigneur dit il confirmer toujours la parole de ses serviteurs. C'est-à-dire l'offine dit parole là, bon Dieu confirmer le pour. Le Seigneur confirme parole serviteur lui. Isaïe 44 verset 26, je confirme la parole de mon serviteur. Je confirme la parole de mon serviteur, c'est-à-dire action qui doit poser en dedans parole là. L'Éternel a confirmé lui. C'est pas sans raison. Tu vois comment que oh serviteur bon Dieu a lui parlé dans Zacharie chapitre 4 là, dans verset 7 là, il dit comme ça. Qui es-tu grande montagne devant Zo Babel? Le problème ou la donne c'est pour parler avec problème non. Zacharie chapitre 4 verset 7. Qui es-tu grande montagne? Qui est souillé grande montagne pour camper devant moi? Pour camper devant Zo Babel? Ou capable mettre non. Pas connait qui problème ou la donne mais gen montagne qui camper devant. Gen difficulté ou retrouver ou la donne son montagne que lié. Son montagne que lié. Gen dossier bloqué son montagne que lié. Eh bien, c'est pour lever main de temps en temps. Avant de dormir le soir, c'est pour lever main pour montagne, c'est à camper devant là. Avec Zacharie, chapitre 4, verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zo Babel? Mettez non. Qui es-tu, grande montagne? Mettez non. Tu seras plani. Tu seras plani. Je poserai la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce. Oui. Aussi tes paroles là pour. Qui es-tu, grande montagne? Qui est souillé montagne pour camper devant moi? Parce que le Seigneur, même dit nous dans Matthieu chapitre 21, il dit dans verset 21, si nous avons la foi, nous dit montagne ça a déplacé, en parlant de problèmes, en parlant de difficultés que nous la donne, la déplacer, nous parler avec problème, non? Nous parler avec problème, non? Matthieu 21, verset 21, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer, cela se ferait, cela se ferait, cela se ferait, cela se ferait, tout simplement parce que vous avez la foi dans bon Dieu et parole là. Ou parler avec montagne là. Montagne qui est souillée pour camper devant moi. C'est pour aplanir montagne. Au nom de Jésus-Christ, montagne, c'est pour aplanir. Donc, ou même qui gon montagne devant, Zacharie chapitre 4, verset 7. Besoin citer lui. Besoin citer devant Seigneur. Ou même, yo accusé, ou même y'a fait pile parole sous dos. En pile, mon a parlé dans dossier sous dos. Eh bien, l'on parle de bon Dieu, c'est pour aller avec Somme 2. Commencer depuis le verset 1er. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? À ce moment, il y a parlé sous dos. Et mon âme dit des séries de bagailles sous dos. Les noms ont fait actualité. Les noms ont fait actualité. C'est pour aller côté Seigneur, oui. Les noms ont fait actualité. Les noms. Factualité mal, tout le monde a parlé de haut. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce tumulte? Parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi? Pourquoi ce tumulte? Pour qui ça, pas l'empile ça, tout disant ça yo. Dans le monde ça yo, dans le pays ça yo. Et pile idée ça yo, mon a véhiculé sous dos. Somme 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Commencez depuis le verset 1er. Pour aller côté bon Dieu avec lui. Dans ce monde, il y a pile cause à parler sous dos. Il y a pile cause à parler sous dos. Le monde a fait tripotage sous dos à parler de haut. C'est pour dire toute langue qui s'élèvera en justice contre moi. Sera condamné.
Ésaïe 54, verset 7. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi-même, y a condamné. Y a condamné. Ça, c'est les mots qu'on a parlé dans le dossier. Les mots qu'on a dit tout causé sous dos. Eh bien, c'est pour aller dans Somme 2, pour la prière devant mon Dieu. Pour dire, Seigneur, pour qui ça toute parole en pile, ça y est sous moi. Pour qui ça toute pensée, ça y est, toute causée, ça y est sous moi. Pour qui ça, Seigneur. Pour qui ça. On s'en va pour aller écouter mon Dieu. À la prière, lui. Parce que à chaque prière spéciale qu'on a fait devant mon Dieu, il est toujours bon qu'on prenne un texte pour citer, parce que parole, bon Dieu, qui a une puissance là-dedans. J'ai que hier, nous t'apprenons ça, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Donc, parole, bon Dieu, est puissante, elle est efficace. Somme 2, verset 1er, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Et lorsque vous gagnez un monde qui campait pour persécuter, un monde qui sortit pour faire la guerre, ah, c'est pour camper dans Jérémie, chapitre 1er, verset 19. Promesse la fête, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Il va faire la guerre, mais il ne va pas vaincre. Il y a au même, c'est pour dire, c'est pour citer parole là, c'est pour dire, ouais, fais la guerre, mon pape vainc moi. Ouais, fais la guerre, mon pape vainc moi. Ouais, fais la guerre, mon pape vainc moi. À ces monde qui gagne persécution, monde qui a persécuté, monde qui cherche au compte, eh bien, c'est pour aller côté bon Dieu pour parler. Et c'est victoire pour prendre. Jérémie 1er, verset 19. Ouais, fais la guerre, mon pape vainc moi. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront point. Ils ne vont pas vaincre. Ils ne vont pas remporter la victoire sur. On ferme la guerre, mon pape vainc moins. On ferme la guerre, mais on pape vainc moins. On ferme la guerre, mon pape vainc moins. Jérémie 1er, verset 19. On va faire la guerre, mon pape vainc moins. Non, on va vainc moins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Tu vas faire la guerre, mon pape vainc moins. Toujours citer parole ça, ou même qui n'a persécution. Ou même monde pas vle ouais. Ou même on a persécuté, on a cherché détruire la vie. C'est pour noter Galates 6, verset 17. Quel que soit le monde, quel que soit le démon, quel que soit le monde qui a fait la peine, même si c'est à bouche, yo, c'est pour toujours citer parole, ça, Galates 6, verset 17. Quel que soit si avec action, yo, mon a fait la peine, mon a mis chagrin dans le cœur, c'est pour citer parole, ça. Galates 6, verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Ah, Galates 6, verset 17. Ou même que monde toujours mette de l'eau dans les yeux, soit action petite ou bien pas connaît, quel que soit côté de l'eau dans les yeux à sortir, ou même qui toujours gon chagrin, ou toujours gon désespoir, ou toujours gagne en dépression, ou toujours senti ou affaissé. Donc, leur lever, leur senti que, corps pas bon. C'est pour dire que personne désormais ne me fasse de la peine quand je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Ou même monde toujours blessé avec parole, avec mauvaise parole. C'est pour dire que personne désormais ne me fasse de la peine quand je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ.
Galates 6, verset 17. Donc, texte ça, yo, ça c'est pour moun, eh bien, qui n'a persécution, moun, eh bien, y a nuit la vie, yo, ensemble de textes que nous barou là, donc qui est vraiment important pour mes auditeurs de la prière du matin. Ou même qui a fait magie sous d'eau, ou même qui a fait expédition, hein, pour mourir, ou même qui a vannes, je fais la pratique de la sorcellerie. Je vends nos cailles diables. Psaume 118, verset 17. Commencez depuis le verset 16 pour prendre jusqu'à verset 17, 18. C'est pour dire, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ou même, il y a tant de pièges pour eux. Ou est-ce que mourir? Ou même qui malade, ben c'est maladie fétiche qui sort. C'est pour parole, ça aborde tête. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est pour citer le Nabocho. Mais si c'est bon Dieu que vous voulez prendre, ça c'est bon Dieu qu'après le haut. Mais c'est pas maladie méchante. Les hommes, expéditions, ils ont fait qui pour toi aller. Non. C'est pour camper avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante que l'épée à double tranchant. Elle bail résultat. Hébreux chapitre 4 verset 12. Parole bon Dieu puissante. Parole bon Dieu efficace. Parole bon Dieu vivante. C'est-à-dire il y a une vie là-dedans, il y a un effet là-dedans. C'est ça la Bible dit nous dans Hébreux 4 verset 12. Donc ou même qui sentit la vie ou en danger ou presque mourir, malade, c'est pour dire je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Seulement songez pour promesse qu'on fait dans la parole là. Promesse qu'on fait dans la parole là, c'est qu'on dit je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est-à-dire, on va témoigner. On va témoigner, c'est pour témoigner, oui. Parce qu'on fait promesse pour témoigner. Mais les bons dieux, mettez-vous au campé. Le Seigneur, il faut gagner la vie. Il ne va pas quitter méchant, il va aller avec eux. Eh bien, c'est pour dire bon Dieu merci. Eh bien, dans Nombre, chapitre 23, verset 23, ou même il y a fait magie sous d'eau, c'est pour bloquer magie. Yo. C'est pour bloquer magie. Yo. C'est pour bloquer magie. Yo. C'est pour dire la divination ni l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Oui, la divination ni l'enchantement ne peut rien, la divination ne peut rien contre Israël, contre Jacob. Nombre 23, verset 23. Parole qui pour renverser magie. Balaam, t'as fait magie, t'as fait degré. Il est loin, degré pas qu'à marcher. Parce que Balak, t'as forcé pour le faire magie, pour magie atteindre Israël. Il a fait plusieurs tentatives magie, il n'est pas capable. Ben, dans Nombre 23, verset 23. Balaam obligé dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Alléluia. À ces mondes, ils font pile magie derrière. Mais l'Éternel va quitter atteint ou bien il a fait toujours, il a brassé magie toujours. Ça doit écrire sous profil ou. Ça doit écrire sous profil ou. Nombre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Alléluia. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Mon n'y a le cas diabo. Y aller dans la sorcellerie, aller s'interpeller pour paraître, pour piquer. À midi, qu'on est. Pareil, j'ai fait sous d'eau. Bon Dieu, quand mon tour, on a dormi, bœuf a couru derrière. Bien chien a couru derrière. C'est expédition, vous voyez. Mais il y a des gens qui sont timon, ils ne comprennent rien, bon Dieu. Hein? C'est expédition que vous voyez, c'est démon que vous voyez derrière. Là, les bagages, ça y est. La parole de Dieu fait nous connaître. C'est pour nous citer la parole, ça y est. Nombre 23, verset 23. Là, les chiens courent derrière. Hein? Dans le sommeil. Yo. Des chiens, là où ils sont dans le sommeil,
Déjà la parole de Dieu dit, des chiens sont autour de moi. Des chiens sont autour de moi. Des chiens sont autour de moi. C'est pour qu'on ait ça, ça veut dire oui. L'oreille dans le sommeil. C'est pour qu'on ait ces expéditions, ces persécutions que vous avez. Persécution que vous avez. Et c'est pour l'éternel bon bâton. C'est pour demander l'éternel bon épée. Chien ça yo pour pas courir devant yo encore. Pour pas courir devant yo encore. C'est pour qu'on ait. Eh bien, faut citer parole ça yo. C'est pour citer yo. Des chiens qui ont essayé de dévorer la vie yo. En somme 22. David a dit, dans Somme 22, verset 16, il dit, des chiens m'environnent. Là où les chiens courent, c'est persécution que ça y est. C'est persécution que vous y est. C'est persécution. Donc c'est pour dire, la divination ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre moi. Et c'est pour repousser là. C'est pour repousser lui. L'expédition est venue. C'est pour dire qu'il soit comme la balle emportée par le vent. Que l'ange de l'éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Qu'elle soit ténébreuse et glissante. Tournez derrière eux. C'est pour tourner l'expédition derrière eux. Qu'ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie. Avec vous, dehors là. Quand elle sortit, c'est pour retourner le jeune maître. Retourner le jeune maître pour le faire des gars dans le camp maître. Qui soit honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'éternel les poursuive. Et on fait expédition zombie d'ailleurs, expédition mort d'ailleurs. Leur prend sainte mort. On prend odeur. C'est bon Dieu qui permet que on prend odeur pour qu'on ait que eux là. C'est expédition mort que vous riez. On prend sainte crue. Expédition de mort, sainte crue. Expédition de mort. Mais c'est pour retourner derrière Mathieu. C'est pour retourner. Et là, on prend sentin, on fait rêve, ouais, c'est secœur, ouais, après c'est où que mourit, ouais, c'est où que notre secœur, c'est pour dire, oh mort, où est ta victoire, oh mort, où est ton aiguillon, où est ton aiguillon, oh mort, où est ta victoire, on fait expédition de mort derrière, c'est pour dire ça. Et Corinthiens 15, verset 55, oh mort, où est ta victoire. Au mort, où est ton aiguillon? Au mort, où est ta victoire? Au mort, où est ton aiguillon? Et Corinthiens 15, verset 55. Au mort, où est ta victoire? Au mort, où est ton aiguillon? C'est mon fait expédition de mort derrière pour chasser les tunnels derrière les pour faire des gars côté au sortir. T'es venu par un seul chemin. C'est pour y aller par 10 000 chemins. C'est pour l'éternel diviser bon nom. Pour l'éternel diviser bon nom. Donc ça c'est mon qui a une persécution, expédition de mort derrière. Alors ça c'est pour qu'on ait yo, on y a fait magie, expédition contre nous-mêmes. Somme 35, commencé depuis dans verset 4, pour arriver jusqu'à verset 6 et toute somme nous-mêmes s'il le faut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. On y a fait magie yo, on y a fait expédition yo. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Ça y a fait assez pour le tourner derrière yo. C'est pour y avoir conséquence li. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent. Expédition yo fait à zombie yo voya, mort yo voya. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'éternel les chasse. Que l'ange de l'éternel les chasse.
que leur route soit ténébreuse et glissante. Et pour y retourner, côté y sortir et pour y faire des gars. Demain, si Dieu le veut, nous connaissons ce vendredi, il y a une possibilité pour nous continuer toujours parce qu'il y a plusieurs textes, nous pouvons faire surtout, ou même qui n'en procès, ou même qui n'en procès, il faut connaître des paroles, que des maisons avant entrer là-dedans, que des paroles, il faut citer, yo. Cité yo, gen moun l'ont rencontré avec yo, gen parole faut citer dans cœur. Parce que moun sa yo c'est malfecteur yo. C'est malfecteur yo. L'ont rencontré avec yo, gen parole qui doit sortir dans cœur, gen verset, gen texte biblique qui pour sortir dans cœur. Gen moun l'ont pral la caille yo. Ah oui, c'est pas bon moun yo. C'est pas bon moun yo. Ou pas qu'entrer la caille yo comme si de rien n'était. Parce que moun sa yo c'est moun qui profondé. Dans les choses mystiques, dans la sorcellerie, dans les vieux choses, eh bien, c'est pour une parole qui doit sortir dans le beau jour. Sous cœur, une parole qui doit prononcer. Et vous voyez petit, aller en côté, dans un pays étranger. Une parole qui pourrait accompagner lui. Une parole qui pourrait accompagner lui. Un texte qui doit accompagner lui. Nous voilà la prière matin, demain, si Dieu le veut. Il y a une possibilité. Le Seigneur seulement connaît pour qui raison. Et dans qui combat qu'il y a, il voit les paroles, ça y est pour. C'est épée de l'esprit qu'il y a. C'est épée, oui. C'est épée, oui. La parole de Dieu, c'est épée. Kabedo mène un combat spirituel qu'on mène. C'est épée. C'est épée de l'esprit. Toujours prend yo, kembe yo. Toujours prend yo. Toujours kembe yo, mémorisez yo. C'est épée de l'esprit qu'il y a. La parole de Dieu, épée de l'esprit. C'est pour Kimbel. On a la prière le matin. Nous parlons bon côté bon Dieu vivant. Bon Dieu qui crée ciel avec terre. Grand Elohim Bara. Le Dieu Tout-Puissant. Nous parlons côté le matin. Nous parlons côté le matin. Il est le Tout-Puissant. Le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Nous parlons côté le matin. Dieu de toute la terre, Dieu puissant, éternel, notre Dieu, tu es le Tout-Puissant, le grand El Shaddai. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous bénissons, nous exaltons matin, nous disons merci pour la puissance qui gagne en parole. Merci Seigneur, parce qu'on montre nous, dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, que nous devons prendre Seigneur, l'épée de l'esprit, qui c'est parole. Maintenant, nous apprenons pile, nous gampons l'épée dans main, nous, pour nous continuer à mener bataille là. Merci parce qu'on a défendu cause, nous. Merci l'éternel, notre Dieu, parce que toute âme forgée contre nous, y a sans effet. Merci parce qu'on a nos âmes, l'éternel, notre Dieu, pour nous mener lutte là. Maintenant, nous venons dire merci, pour tant de victoires qu'on a nous. Sans que nous pas de gens me connaissent. Et nous dans le sommeil, nous, bon Dieu. Nous toujours ouais que des chiens qui courent derrière nous. Pendant que serviteur Salmiste en dit dans Somme 22, des chiens, des chiens, des chiens, oui, ils ont campé, ils ont côté, ils ont mis dans le temps. Et nous, c'est courir toujours ouais, mon a courir derrière nous. C'est attaquer, pas attaquer nous. Mais ils ont pas qu'à prendre nous. Et nous avons toujours ouais, n'a tombé, n'a sorti dans falaise bien haut pour nous tomber, pour parler avec nous, pour nous prendre précaution, parce que quand ennemi cap essayer aller nous au descendre. Et nous avons toujours ouais, n'a perdu bagage dans sommeil, nos bon Dieu. Et nous avons toujours ouais, Seigneur Dieu, n'a fait route nous toujours perdu. Éternel notre Dieu, fais nous prendre la vie nous au sérieux parce qu'on parler avec nous, pour parler avec nous souvent. Que nous des fois bon Dieu nous s'écueille. Nous ouais des fois, Seigneur, que nous mourions. Éternel, notre Dieu, les plans de la mort qui fait sous la vie, nous. Mais dans le nom de Jésus-Christ, nous sans effet, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Seigneur, des fois, montrez-nous, diable racial dans la famille, nous qui persécutons nous. Lorsqu'on fait nous, ouais, bon Dieu, nous, dans l'habitation, la caille, nous, dans le pays, nous, bon Dieu, côté que l'Éternel n'a pas mangé. Ak moun ki mouri déjà, ak moun l'Éternel notre Dieu, que nous pas même connaît yo même nous en communion avec yo,
parce que il y a un diable dans la famille, il y a un démon dans la famille, l'Éternel notre Dieu qui a essayé de mettre main sur nous pour contrôler la vie nous. Mais Seigneur, sans sur la vie nous, personne monde pas qu'à faire nous la peine. Marc ou sous corps nous, personne monde pas qu'à faire nous la peine. Nous c'est propriété privée, nous porter marc ou meurtrissure sous corps nous. Personne monde pas qu'à faire nous la peine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, maintenant, nous apprenons en paix, Seigneur, et nous allons continuer à apprendre encore dans la connaissance de ta parole. Éternel, notre Dieu, nous connaissons tout complot qui fait sous deux nous. Que toute âme forgée contre nous soit sans effet. Il est écrit dans la parole, au Seigneur, si l'on forme des complots, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Cela ne viendra pas de moi. Ou dit, ou a ben nous pouvoir pour nous craser, les Seigneur. Nous craser tout complot que fait sous nous, bon Dieu. Complot que fait sous nous dans la famille, nous, bon Dieu. Complot que fait sous nous dans le travail, non. C'est pour nous craser dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour nous briser dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour nous briser dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel, notre Dieu. Ou quand toute magie qui a fait sous nous, non. C'est pour nous gâter et tourner des métiers. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ou connaît toute expédition de mort qui fait sous dos nos bon Dieu, ou connaît toute expédition zombie qui fait derrière nous pour distraire nos Seigneur, pour rendre nos zombies l'Éternel notre Dieu, pour nous obéissant sage Seigneur Dieu, obéissant sage pour nous zombifier nous l'Éternel notre Dieu, c'est pour le tourner derrière nous. C'est pour le tourner derrière, c'est pour le tourner côté le sortir et faire des gars dans camp mettre dans le nom puissant de Jésus-Christ. On connaît toute l'armée invisible qui a campé contre nous, qui a avancé contre nous. Mais t'es venu par un seul chemin. C'est pour y sortir par 10 000 chemins. C'est pour y prendre la fuite par 1 000 chemins, par 1 000 000 chemins. C'est pour y prendre la fuite. C'est pour l'Éternel Gaïban. C'est pour l'Éternel Gaïban dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour bon nan gaye. C'est pour bon nan gaye. Même si un peu le monde levé contre nous. Même si un peu le monde levé contre nous. Même si un peu le monde a parlé de nous, a cité non nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. En somme deux, Seigneur, dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi toutes ces vaines pensées parmi les peuples? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pour qu'ils aient toutes insaillées, l'Éternel, notre Dieu. Pour qu'ils aient toutes parlé en pile, saillées, l'Éternel, notre Dieu. Pour qu'ils sachent, l'Éternel, notre Dieu. Pourquoi, l'Éternel, notre Dieu, ce tumulte? Pourquoi ce tumulte? Parmi les peuples, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, que toute langue qui s'élève en justice contre nous soit condamnée. Que toute langue qui s'élève en justice contre nous soit condamnée. Que toutes les mauvaises langues dans le nom puissant de Jésus-Christ qui s'élèvent contre nous soient condamnées. Que toutes les mauvaises langues, que toutes les langues qui s'élèvent contre nous, que toutes les langues qui s'élèvent contre nous soient condamnées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le lion de la tribu de Juda. Que toute langue qui s'élève contre nous soit condamnée. Que toute langue qui s'élève contre nous soit condamnée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu. Dieu de toute la terre. Créateur de l'univers. Créateur de toutes choses. Toi qui es notre puissant guerrier dans nos combats. On connaît tout combat qu'a fait sous dos nous. On connaît toute magie, tout degré qu'a fait sous dos nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sans effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sans effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ou sans effet sous petit point. Expédition tournée des mètres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois comme la balle emportée par le vent. Que l'ange de l'Éternel te chasse. Que ta route soit ténébreuse et glissante. Esprit zombie, esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour tourner quand tu sortiras. C'est pour tourner des maîtres et faire des gars quand tu sortiras. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ton aiguillon fut anéanti.
dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, où sans effet, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sans effet. Esprit de mort, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ou pas gagne droit dans la famille, moi, ou pas gagne droit dans la maison, la caille, moi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ou pas gagne droit sur la famille, moi, ou pas gagne droit sur la petite, moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, la vie pour moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Magie, ou vos oreilles, ou pour tendre ça. Expédition, ou vos oreilles, ou pour tendre ça. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Moi, pas mourir, m'a vive pour me raconter grandeur, bon Dieu. Moi, pas mourir, m'a vive pour me raconter grandeur, bon Dieu. Moi, pas mourir, m'a vive pour me raconter grandeur, bon Dieu. Moi, pas mourir, m'a vive pour me raconter mes veilles, bon Dieu. Moi, pas mourir, m'a vive pour me raconter miracle, bon Dieu. Vos oreilles, vous tendez ça. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, l'esprit de mort, moi pape mourir, m'a vive pour me raconter grandeur bon Dieu. Pour me raconter grandeur bon Dieu. L'esprit de zombification, dans le nom puissant de Jésus-Christ, moi intelligent, parce que l'esprit de l'Éternel est sur moi. L'esprit, alléluia, de sagesse, l'esprit de connaissance de l'Éternel, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Laisse-moi un matin, esprit zombification, au nom de Jésus-Christ, sans effet, car l'esprit de l'Éternel est sur moi, l'esprit de l'Éternel repose sur moi, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de crainte de l'Éternel est sur moi. L'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit d'intelligence est sur moi. L'esprit zombification, pas qu'à déjouer moi, pas qu'à distraire moi. M'a brillé tout côté me passé. Petite moi brillé tout côté le passé. L'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de crainte de l'Éternel, laisse-moi. L'esprit de l'Éternel, laisse-moi, l'esprit de crainte de l'Éternel, laisse la vie, moi, laisse la vie petite, moi, l'esprit de crainte de l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'esprit de l'Éternel, sous petite, moi, mais on la caille, moi, avec moi-même, m'a servi, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. Esprit de crainte de l'Éternel, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi et accompli. L'esprit de l'Éternel va reposer sur petit moi. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit d'intelligence. Esprit de conseil. Esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi et accompli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour action de l'Esprit, et cela vit petit moi. Les actions de l'Esprit de l'Éternel. Les actions de l'Esprit de l'Éternel. Sur la vie petite, moi. Les actions de l'Esprit de l'Éternel. Esprit de sagesse.
esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi accompli. Au nom de Jésus-Christ, amen. Entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi, plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand tu pleures, Jésus est là. Sans te juger tel que tu es, il veut t'aider. Si tu le veux, tout peut changer. Laisse-le conduire ta vie, conduire tes pas. Jésus est là rien que pour toi. Ta maladie ou ton péché n'est plus un poids. Jésus est là tout près de toi. Laisse-le conduire ta vie, conduire tes pas. Jésus est là rien que pour toi. Ton désespoir, ta dépression n'est plus un poids. Jésus est là tout près de toi. As-tu entendu parler de cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi? Ne laisse pas le monde te masquer la foi. Sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle ne peut savoir où il va. Ouvre les yeux et tu verras. Jésus est là à chaque pas, il veille sur toi. Décide-toi et fais le pas. Laisse-le conduire ta vie, conduire tes pas. Jésus est là rien que pour toi. Ta maladie et ton péché sont effacés, car Jésus a tout pardonné. Laisse-le conduire ta vie, conduire tes pas. Jésus est là rien que pour toi. Ta dépression, ton désespoir sont oubliés, car Jésus a tout transformé. Ne tente pas de comprendre son esprit, ni d'où il vient, ni où il va. Ce qui compte, c'est qu'il agisse dans ta vie. Peu importe comment il fera. Ne t'attends pas à voir surgir de grandes eaux. Jésus est doux comme un agneau. Ne t'attends pas à voir arriver un héros, mais plutôt à tomber de haut. Laisse-le conduire ta vie, conduire tes pas. Jésus est là rien que pour toi. Laisse tomber ton péché, abandonne tes voies. Jésus est là tout près de toi. Laisse-le conduire ta vie, conduire tes pas. Jésus est là rien que pour toi. Abandonne ton manteau couvert de misère, car Jésus est la voix du Père. Car Jésus est la voix du Père. Jésus est la voix du Père.